pour cette première vidéo, je vous propose un format un peu particulier puisqu'il s'agit d'une interview de deux auteurs que j'ai eu la chance de rencontrer, donc Cédric Roux et Robin Marcoux, donc qui ont écrit Rêve, donc le premier tome c'est Le Cœur des Flammes, et il s'agit donc du premier tome d'une saga. Donc Rêve, qu'est-ce que c'est? Donc dans ce roman, en fait, on retrouve Kylian, qui est un amnésique, qui a été retrouvé dans le désert et qui va être ramené dans un campement militaire. Ce campement militaire va malheureusement être attaqué par des ombragés, des créatures assez terrifiantes qui dessinent tout sur leur passage, et il va survivre avec deux autres personnages et leur quête va débuter. On ne sait pas encore exactement quel est le but de cette quête. En tout cas, ils vont rencontrer bon nombre de personnages attachants sur leur chemin. Ils vont se découvrir des aptitudes chacun et on va se poser la question de savoir si Kylian retrouve ou pas la mémoire. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Donc, il y a une très bonne... L'histoire à la base déjà est très originale puisque le fait que Kylian soit amnésique, eh bien, on découvre avec lui cet univers qui est assez dur quand même puisque c'est un monde qui est en guerre. Les personnages sont attachants, même s'il y en a certains avec lesquels on s'attache forcément un petit peu moins, voilà. Mais on sent qu'il y a quand même un très bon potentiel dans cette saga, et donc j'espère vous donner envie de la lire également. Donc, j'ai donc eu la chance de les rencontrer tous les deux, et donc je vous laisse découvrir cette petite interview exclusive. J'espère qu'elle va vous plaire. Quand et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ? Alors, on s'est rencontrés à la rentrée de 5e, au collège de Chassieux, ouais, à Léonard de Vinci. Et en fait, il s'est avéré, on ne le savait pas encore, qu'on était tous les deux nouveaux arrivants. On venait d'emménager sur Chassieux durant l'été. On est tous les deux de deux villes à proximité. Voilà, c'est ça. En fait, différentes. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais un peu intimidé le jour de la rentrée. Mais j'avais envie de savoir comment ça fonctionnait, j'étais un peu perdu. Du coup, j'ai avancé au milieu des élèves, puis je l'ai vu de dos. Je lui ai posé la main sur l'épaule, par derrière, assez fortement parce que j'étais pas connu pour ma délicatesse à l'époque. Et je lui ai dit une phrase du type « Ouais, bonjour, tu sais comment ça fonctionne ici ?» La phrase de voilà. « Bonjour, je suis pas sûr, mais ouais. » Et voilà, il m'a répondu une phrase du type J'en ai aucune idée, j'étais nouveau aussi, donc on attendait en fait, c'était le moment où on était appelé pour aller dans nos classes. Alors bien sûr, quand j'ai vu qu'on était dans la même, vu que j'avais déjà adressé la parole, naturellement on s'est mis côte à côte. C'est ça qui s'est passé, ouais. C'est qu'en fait on s'est retrouvé donc du coup dans la même classe, et tout de suite vu que on savait en fait qu'on connaissait personne, ouais. Je m'en souviens très bien, on s'est assis au fond de la rangée du milieu, c'est ça, premier cours, ouais. Et puis après voilà, ça, en gros ça s'est fait comme ça. C'était beaucoup de coïncidences en fait. Oui, voilà, c'est coïncidence. Complètement. Ah, donc j'ai une longue amitié du coup. Ouais, ça commence à dater, hein. Ça commence à faire quoi, 12 ans. Plus de 12 ans. Plus de 12 ans. 12 ans. Ça doit faire 13 ans et demi. D'accord. Un truc comme ça. Quand même, ouais. Ah non, ça fait peur. Hein. C'est joli, hein. Non, mais c'est comme quoi. Le coup de vieux, le coup de vieux. Alors, on a jamais réussi à se faire d'autres potes, hein. Parce que. C'est une blague. Non mais oui, c'est vrai que c'est... Non mais comme quoi, voilà, il y a des choses qui rapprochent et puis bah... Arriver tout de suite dans une nouvelle école, ouais. Bah, c'est vrai, ouais. Que... Ouais. Bah, en fait, ce qui est marrant, c'est que nos points communs, on les a découverts après en fait. Mais c'est vrai que ce qui nous a rapproché au début, c'est vraiment, bon, on avait parlé, on se retrouve dans la même classe, on s'est mis ensemble. Et après, ce qui a, on va dire, cimenté la relation de début, malgré les divergences, les différences, c'est que on a tout de suite eu les autres nous ont mis parce qu'ils savaient qu'on n'est pas de Chassieux la réputation des nouveaux. Ouais, il y avait un peu de ça, mais il y a un peu de ça, on a quand même trouvé chez l'un chez l'autre très vite des points communs, et notamment le fait que moi à cette époque j'écrivais déjà, toi je sais que tu y pensais parce qu'à l'époque tu pensais beaucoup, que tu voulais être déjà dans l'enseignement, etc. Et en fait, au fur et à mesure des années, je rejoins certainement une autre question par rapport à l'écriture, mais en gros, ça s'est fait comme ça. C'est très tôt, on a commencé à parler ensemble d'histoire imaginaire et d'écriture. D'accord. Et puis, à force d'en parler, puis je suis arrivé un jour, parce que Romain avait commencé un roman de fantasy de son côté, et
moi je lui parlais des idées que j'avais pour le mien, et je lui avais montré sur un petit cahier de brouillon, j'avais noté quelques descriptions de personnages, j'avais le début en tête, et il m'a naturellement proposé en fait qu'on l'écrive à deux. La proposition initiale, elle est venue de Robin. Ah oui, la proposition vient de moi. Elle est venue de Robin. Tout à fait. Et moi j'ai trouvé l'idée plutôt plaisante. Alors je savais pas du tout comment on s'embarquait, parce que écrire à deux, on était jeunes. Oui, surtout. Il a pas proposé ça et moi j'ai pas accepté en me disant mais qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence d'écrire à deux. Je me suis dit. On aurait peut-être dû se dégager. Je me suis dit, je sais qu'il écrit, j'aime bien ce qu'il écrivait. C'était mon meilleur ami, c'est toujours mon meilleur ami, et je me suis dit, allez, on y va. Bon, après, c'est vrai qu'on a découvert que quand on écrit à deux, c'est pas le même fonctionnement que quand on écrit tout seul. Bah, ça, on y reviendra plus tard, je suppose qu'on y reviendra après. Du coup, ça fait combien de temps du coup que vous écrivez chacun de votre côté? Parce que tu me disais que t'avais commencé. Bah, Cédric, vas-y. Moi, j'ai. Bah, je sais pas qui tu veux je commence. Ouais, vas-y. Donc, moi, j'ai commencé à écrire en cinquième. Voilà. Tout simplement parce que j'avais le quotidien au collège, c'était pas spécialement intéressant, il était un peu compliqué. Moi, cette réputation du nouveau m'a peut-être plus marqué que Robin, parce que y a des choses qui ont découlé par rapport à ça qui faisaient que j'avais pas spécialement envie d'aller au collège. Et quand j'écrivais, en fait, quand je jouais aux jeux vidéo par exemple, je m'évadais des tracas quotidiens. Mais l'écriture, ça me permettait de m'évader et ça me permettait aussi vraiment de créer mon univers. Et c'est comme ça que j'en suis venu à l'écriture. Alors je sais que Robin, lui, c'est tout à fait différent. Oui, moi c'est un peu... Mais c'est bien, c'est normal qu'on n'ait pas la même histoire et la même découverte par rapport à ça. Voilà, moi c'est venu assez tôt, je crois, parce que j'avais 10 ans quand même. À l'époque, j'habitais pas... à Chassieux, j'étais pas loin, et en fait j'ai commencé, où est-ce que je peux commencer ? J'ai commencé à lire assez tôt en fait, c'est-à-dire que très tôt je me suis mis à lire des romans qui étaient souvent fantastiques, la fantasy, etc. Et j'aimais déjà beaucoup lire et j'aimais déjà beaucoup imaginer, et j'étais quelqu'un de rêveur déjà de nature. Et donc en fait un peu naturellement vers mes 10 ans, je me revois à écrire des histoires en fait sur mon bureau dans ma chambre, ou sur le gros ordinateur de mes parents qu'ils avaient à l'époque, voilà. Et en fait, j'ai commencé comme ça, et je sais plus si j'ai ces textes-là, je les ai peut-être quelque part, mais en fait, mes tout premiers extraits d'histoire que j'avais à l'époque, les héros, en fait, avaient toujours mon âge. Et le texte le plus vieux que j'ai, le héros est en primaire, fin de primaire. Donc ça donne un peu le repère, voilà, sur quand est-ce que j'ai commencé à imaginer. Donc à l'époque, j'avais un livre en tête qui n'avait... c'était pas rêve, c'était un autre projet que j'avais avant de rencontrer Cédric. Et en fait, il se trouve que quand j'ai proposé à Cédric qu'on écrive tous les deux, je lui ai proposé parce que j'aimais beaucoup... Lui, en fait, il avait une idée de commencement. Voilà, il avait... Son histoire n'était pas... forcément, elle n'était pas complètement aboutie parce que c'était le début, mais le commencement était assez clair, on savait où est-ce que ça allait un peu au début, etc. Et moi, j'aimais bien cette histoire. Et de mon côté, j'avais un commencement pareil d'histoire, mais j'avais surtout des éléments que j'avais envie de caler dans une histoire et qui n'étaient pas forcément simples parce que j'étais parti dans quelque chose de très très long, très très... peut-être un peu trop compliqué, etc. Mais voilà, il y avait des éléments qui me tenaient à cœur, et un jour je me suis dit que ça pouvait en fait tout à fait apparaître dans le commencement que Cédric avait à l'époque. Et donc du coup je lui ai fait cette proposition, et en fait rêve est né de là. C'est-à-dire que dedans, il y a des éléments... Alors évidemment, après, aujourd'hui, il y a autant de moi que de lui, versement. Mais à la base, c'est un mélange en fait de nos deux univers... Parce que c'est vrai que de base, j'avais ce fameux petit cahier de brouillon, et dessus, je sais que j'avais, je pense pas que j'en révèle trop, j'avais ma description des ombragés, j'avais ma description, alors qui a totalement évolué, mais j'avais ma description du général Dracus, qui est devenu le général Drax, et qui avait une apparence totalement différente. Les ombragés à l'époque n'avaient pas de nom. Et les ombragés n'avaient pas de nom, mais il y avait leur description. Il y avait leur description. J'avais le lieu de départ, je savais que je voulais que ça commence dans un désert. Voilà. Je savais
certains éléments, que je voulais que ça prenne part dans un empire, donc j'avais un peu mes idées, mais j'avais pas forcément d'autres idées, mais j'avais un commencement assez... Alors maintenant je sais plus aujourd'hui exactement ce que je savais, mais je me rappelle que oui, j'avais un commencement assez cadré, parce que quand on a commencé à travailler sur le livre, on a pu se reposer sur ce qu'est le brouillon, et sur les idées de base, au moins jusqu'à la falaise, il me semble. Oui, on avait la parce qu'il est maintenant le mur. Ce qui est maintenant le mur. Non, parce qu'il y a toute une évolution. Mais on avait le désert, la forêt et ce que j'appelais la falaise. Ce qu'on n'avait pas, voilà, ce qu'on n'avait pas à l'époque, c'était le fil conducteur. C'est-à-dire quand vous lisez le premier tome, il y a, bon, pas trop en révéler, mais disons qu'il y a quand même un trajet, quelque chose voilà, qui est assez long, où il se passe plein de choses. Et en fait, ce qu'on n'avait pas, c'est le fil conducteur de ce trajet et quel était le but et où est-ce que ça allait, etc. Au début, il y avait effectivement juste, on sait qu'il y a une attaque, on sait à peu près qui est derrière ça, on sait comment va se passer le début, qui va en réchapper, qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont partir, etc. Mais après, toute la complexité de l'univers qui vient après, c'est venu bien plus tard. D'accord, voilà. Votre impression sur l'écriture à deux? Ou peut-être plutôt comment vous avez fonctionné en fait tous les deux? Est-ce que c'était vous aviez un chapitre chacun ou toi Cédric t'avais tel personnage, toi Robin tel autre, ou ça s'est passé comment en fait? Sur l'impression finale, je regrette pas et c'est toujours des bons moments de travailler sur le livre à deux. Ouais, ça c'est vrai. Du coup, vous étiez toujours tous les deux quand vous étiez dans les phases d'écriture ou... Non. Non, des fois non, c'était chacun de votre côté. En fait, c'est 90% chacun de notre côté. Dans les études, etc., ça c'est sûr. En plus, maintenant, on a la distance géographique. En plus, maintenant, oui. Mais par contre, oui, c'est vrai que le travail en amont, par contre, c'est des heures et des heures de discussion. Donc, soit au téléphone. Oui, ça rentre dans les 90%. D'accord. Ah, okay. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on est en contact. Hein, donc, bien sûr. Soit au téléphone, soit des fois, c'était des après-midi qu'on passait ensemble et où on allait discuter du livre. Donc il y a quand même... En fait, il y a plus de contacts en amont, quand il faut trouver les idées, les coordonnées, que quand on part dans l'écriture. D'accord. En fait, sur des points vraiment plus techniques, le schéma, il est assez simple. On se met d'accord sur le scénario global. Donc souvent d'un tome, voilà. Donc par exemple le tome 2, à un moment on avait le scénario du tome 2, voilà, complet. À ce moment-là, on le divise dans ce qu'on appelle des étapes, et on se met d'accord sur qui veut écrire quelle partie, donc ça correspond pas du tout à des chapitres en fait. D'accord. C'est vraiment ce moment-là, moi je vois bien comment il pourrait se passer, ce moment-là, j'ai plus envie de le faire. Voilà, Cédric, des fois, il me dit, ce moment-là, ça fait longtemps que j'y pense, j'ai envie de le faire, et moi aussi. Et une fois qu'on a décidé ça, on a des couleurs, en fait, qu'on utilise. Donc, ça dépend, c'est pas toujours les mêmes. Et on met les étapes, en fait, par exemple, celles qui vont correspondre à Cédric, elles vont être toutes bleues. Et celles qui vont me correspondre, elles vont être toutes rouges. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on s'organise. Là, il vient d'inverser les couleurs. Oui, enfin... Oui, c'est vrai que dernièrement c'est l'inverse. Je suis d'accord. Donc pour le tome 2 c'est l'inverse. Mais je suis pas sûr que c'est toujours été comme ça. Ouais, franchement, je suis pas sûr. On va pas batailler pour les couleurs. Mais en gros c'est comme ça que ça se fait. Et ensuite une fois que par exemple, le chapitre 2 c'est à moi de le faire parce que j'avais envie de le faire, etc. Je vais le finir, je vais lui envoyer et lui de son côté il va me mettre en fait les points qu'il trouve. Il a des idées en fait pour améliorer. Je vais mettre une série d'annotations de couleurs. Voilà. Donc si je considère par exemple que la phrase doit être enlevée, je la surligne en rouge. Si je considère que si je lui fais une proposition de remplacement, je surligne en rouge, mais entre parenthèses ma proposition. En bleu, on a un code couleur en fait. Ouais. En rouge, c'est les modifications directes, les propositions, voilà. Ou les suppressions. Et en bleu, ce sont les passages où on a des questionnements. Parce que forcément, comme on se laisse page blanche. De chaque côté, ouais. Chacun pour... carte blanche, pas page blanche. Oui. Carte blanche. C'est-à-dire page blanche, c'est pas pareil. C'est carte blanche pour écrire. Des fois, l'autre arrive avec des idées qu'on ne s'attendait pas, parce que même si on a parlé en amont, des fois, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et forcément, des fois, on peut avoir des interrogations par rapport à ça. Bon, et récemment, on a même rajouté une troisième couleur, le violet, mais bon, ça c'est anecdotique. Ouais, on a plusieurs codes pour dire... Enfin, soit pour dire, donc, comme il a dit, les choses qu'on peut...
tout de suite décider, par exemple, oui, je trouve qu'en fait, il a raison, ça passe mieux, donc paf, on change de notre côté, on n'a pas besoin de se reparler, etc. Tout ce qui va être bleu, en fait, c'est ça qui mène à la discussion, et c'est ça qui mène aux 10% dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on se voit, c'est uniquement pour discuter de choses dont on est... Pas d'accord. Ouais, voilà, pas enfin... Ouais, non, parce qu'il reste. Oui, il y a des désaccords. Je suis d'accord. Et c'est toujours un peu de rouge en fait. L'autre ne valide pas aveuglément ce que propose. Voilà, ça c'est ce qui a beaucoup. Ça c'est ce qui a beaucoup changé depuis le collège, c'est qu'en fait au collège quand on se voyait, c'était quasiment que de la pure création, parce que tout était à faire, tout l'univers était à faire, les persos, etc. Donc on passait des après-midi entiers à se dire, lui il serait comme ça, là il se passerait ça, puis après il va se passer ça, etc. On faisait vraiment le scénario. Et plus en fait on a grandi, plus le scénario et l'univers il est devenu ce qu'il est maintenant, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment on avait quand même beaucoup d'éléments, et du coup on a commencé à se voir en fait uniquement pour les choses où il y avait besoin de discussion. Et où il y a eu aussi une évolution dans la manière de procéder, c'est qu'au début, en discutant, on a trouvé notre point d'arrivée, et du coup on savait où on allait, donc chaque fois qu'on se voyait on discutait des étapes qui allaient suivre. Donc en fait le tome 1, la première version en tout cas, a été créé étape après étape, alors qu'à partir, on va dire, du remaniement du tome 1 et donc de la création du tome 2, on est parti vraiment sur le schéma, comme Robin a dit, où toutes les étapes sont listées avant. Et où il y a eu plein d'évolutions, c'est par exemple pour le tome 3, chose qu'on n'a pas fait pour le tome 2. Le tome 2 on avait fait les étapes, on avait ensuite partager ces étapes. Pour le tome 3, on a fait les étapes, mais on a déjà un partage théorique en chapitre. Et c'est vrai là, on essaie de brouiller encore davantage les pistes, parce qu'avant, quand on se partageait beaucoup les étapes par affinité, et souvent, et pendant, on va dire, tout, le tome 1 en tout cas, le tome 1 oui, le tome 2 moins, on était un peu dans... on était fort, on était plus à l'aise. Ça fait plaisir à ce niveau-là. Et ce qu'on a essayé avec le tome 2, c'est des passages, par exemple, que dans le tome 1, c'était moi qui m'en étais chargé initialement. Je lui ai dit, écoute, là, vas-y, fais-le toi. Oui, ça c'est vrai. J'en dis pas plus parce que ça va sur le tome 1, mais voilà. Je lui ai dit, fais-le toi, parce que justement, ça va apporter quelque chose de nouveau, une nouvelle vision. Et à l'inverse, je me suis essayé à des passages qui étaient plus mon point faible, que j'ai moins envie d'écrire. Et finalement, je l'ai fait, ça m'a permis de progresser. Je pense qu'à la rigueur, on peut vous dire, c'est pas une spécialité, mais on peut vous dire en fait vers quoi on tendait à la base, lui et moi, chacun de notre côté. Lui, il était vraiment toujours intéressé par les passages où il y avait beaucoup plus d'action et tout ce qui était, en gros, géopolitique, si on prend très très large. Voilà. Et moi, licence d'histoire aussi. Voilà. Dès le collège, l'histoire est une de mes matières préférées. Voilà. C'est vrai qu'à chaque fois, je me dire que ce projet, c'est depuis déjà la cinquième, quatrième, troisième, que je l'avais initié en fait. Mais là, je vais laisser terminer Robin, et après, je donnerai une information qui va peut-être te permettre de comprendre pourquoi il a pris tant de temps. Alors. Oui, donc je disais que toi, t'étais plus sur ces aspects-là, alors que moi, j'étais beaucoup plus sur les dialogues, les émotions et les relations entre les personnages. Maintenant, pour répondre à ta question sur les 10 ans, c'est que, en fait, le tome 1 a été énormément remanié. On a écrit un premier tome 1, qu'on a terminé au lycée, et qu'on a fait protéger au notaire, qu'on a envoyé à des maisons d'édition, mais c'était un pavé. Tu disais à peu près 500 pages. En plus, on avait fait une présentation qui augmentait le nombre de pages. Voilà. Mais vraiment un énorme pavé avec énormément d'événements que du coup, il n'y a plus dans cette version. Parce qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, de un, il était trop long. On voulait le rendre plus fluide. On a retravaillé sur le tome 1 par rapport au retour qu'on avait eu. Mmh. On a eu un retour... de la maison d'édition Rajo, qui n'était pas un retour, on va dire, informatique, où vraiment on nous avait donné des choses à améliorer. Ils ont pris le temps de Moi, la réponse, si en tout cas, si elle est informatique, elle me paraît incroyable, parce qu'on dit vraiment qu'elle a été. C'est vrai que c'est assez ciblé quand même. Et ce qu'on retient, c'est qu'il nous conseillait, pour un premier roman, de viser peut-être une histoire plus fluide, avec justement moins d'événements afin de mieux les gérer. Et c'est vrai qu'on est parti là-dessus. C'était pas forcément plus fluide, c'était plus court. Plus court. Mais c'est après, je me rappelle plus les termes exacts. Oui, non, mais ça je me rappelle que l'idée c'était nous encourager dans cette dynamique d'écriture, mais de nous dire de viser peut-être un peu moins haut.
Parce que c'est vrai qu'on avait, avec le premier... Oui, on était parti trop loin. Très loin. Trop loin. Est-ce que vous avez des routines de lecture? De lecture? De... D'écriture. Des routines d'écriture, donc des choses qu'on ferait... Pourquoi pas de lecture aussi, hein? Oui, pourquoi pas. Des choses qu'on ferait à chaque fois avant d'écrire. C'est ça, ou un petit quotidien peut-être, je sais pas... Est-ce que par exemple, vous avez des tranches horaires pour écrire? Ou est-ce que ça vient... Enfin, vous écrivez quand vous voulez? Moi, j'écris... C'est un temps... Moi, je crois que j'écris de préférence en fin de journée. Mm-hmm. Mais bon, j'ai pas de règle absolue par rapport à ça. C'est quand j'ai... Et tu te fais un petit environnement, genre musique, pas musique, une boisson, pas de boisson. Alors, je sais que Cédric écrit beaucoup avec de la musique. Moi, personnellement, c'est vrai que... Ça, j'y arrive plus. Ah, t'y arrives plus. J'y arrive plus. Ah, grosse coupe. Il n'y arrive plus. Bon, je vais continuer tout seul, hein, du coup. Non, c'est... Moi, c'est plutôt calme. J'ai juste besoin d'un environnement calme. C'est mieux avec de la lumière, c'est sûr. C'est mieux... J'écris pas mal sur ordi, j'écris un peu sur feuille, mais c'est vrai que j'ai pris le réflexe très tôt aussi d'écrire sur ordinateur. Mmh. Et puis voilà, toi je sais que c'était plutôt feuille généralement. Au sujet des routines, avant quand l'idée me venait, j'aimais bien tout de suite la mettre sur papier. Ça me permettait d'être sûr de pas l'oublier, parce que des fois je l'avais pas écrit tout de suite et ça m'est arrivé des fois d'oublier une idée, plus m'en rappeler ou une explication et je m'en suis beaucoup voulu. Mais avant c'était plus simple. Durant les études, hein, parce que bon, en tant qu'étudiant, j'écrivais dans le coin de la feuille. Aujourd'hui, c'est plus dur, parce qu'avec le travail, et puis quand je donne mes cours aux élèves, je pense pas au livre. C'est vraiment particulier, mais c'est vrai que quand je suis sur mon lieu de travail, je pense vraiment pas à toutes les autres choses. Quand je rentre dans le collège, tout le reste est derrière moi. Mais sinon, plutôt que des routines, alors je fais en sorte d'être bien installé. J'aime bien avoir du temps devant moi. C'est vrai que je n'aime pas me mettre à l'écriture si je sais par exemple que je vais avoir qu'une demi-heure. Ça, sauf si vraiment le passage est court et qu'il faut que j'ai une date à tenir pour rendre quelque chose à Robin, j'aime pas. Il faut vraiment que j'ai plusieurs heures devant moi pour écrire. Et sinon, plutôt que le rituel, c'est surtout le support. J'aime beaucoup écrire sur papier. Les idées me viennent plus facilement et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, quand je passe sur écran, ça me bloque totalement. J'ai les idées qui viennent pas et c'est pour ça que la feuille est mon meilleur allié dans ces moments-là. Voilà. Surtout que tu disais au début que tu avais commencé sur un cahier brouillon justement. Oui, mais alors moi c'est un peu plus, alors peut-être que j'ai gardé de ça, mais moi c'est un peu plus particulier. C'est que je n'ai pas eu accès à un ordinateur avant ma seconde. Parce que mon père avait son ordinateur en bas, mais ouais. j'y allais pas dessus, c'était son ordinateur. J'ai pas eu d'ordinateur avant la seconde et je n'ai pas eu d'internet avant la seconde. Donc, moi, j'ai passé tout mon collège sans connaître les réseaux sociaux, sans connaître internet. Donc, j'étais soit avec mes livres, mes écrits ou mes jeux vidéo. Donc, oui, c'est vrai que la feuille m'est devenue une évidence pour écrire. Et c'est vrai que même aujourd'hui, quand j'ai besoin de me faire une petite liste, une note, je cherche un bout de papier, je vais pas prendre l'application Notes de mon portable. Oh, c'est chouette. Enfin, du coup, comme tu parlais de tes lectures, vous avez des auteurs favoris, j'imagine. Ah oui, on peut dire ça. Oui, bah, c'est vrai qu'on a été extrêmement, j'ai envie de dire, peut-être influencés, mais on adore tous les deux tout ce qu'a fait Pierre Bottero. Oui. Pierre Bottero, ça a été ma première saga de fantasy qui m'a plongé dans la fantasy. La quête des Willan, le monde de Willan. Avec des marchands. Oui, tout. Voilà. Mais là j'étais dans le collège. Ça arrivait après le bac des marchands. Mais oui, c'est vrai. Moi, j'ai découvert tous d'un coup, donc du coup, j'ai pas. Ah non, nous c'était vraiment. Non, nous on a su. C'était que et Willan au début, vraiment. Ah oui. Voilà. Et sinon, l'autre livre de fantasy que j'ai. Bon, il y a eu le bac des marchands, mais je sais plus si j'étais au collège ou au lycée. Et l'autre livre de fantasy dont je me souviens du collège, c'est que j'ai lu Bilbo le Hobbit de Tolkien. Voilà. Que j'avais beaucoup apprécié. Par contre, quand j'ai dû passer à la lecture du Seigneur des Anneaux des années plus tard, j'ai eu du mal. Parce que c'est pas du tout écrit de la même façon. Ah non, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Et c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il a su totalement changer de style d'écriture par rapport à la cible qu'il visait. Est-ce que vous allez encore écrire ensemble en dehors de rêve? Ou est-ce que vous avez peut-être...
Non, on va couper les ponts. Ouais. Une fois qu'on est fini, on ne se parle plus. C'est bon. Le mariage est consommé. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Non, alors, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on va écrire ensemble en coupant les ponts avec Rêve? Ça, c'est difficile parce que les deux idées de livres qu'on a eues en parallèle sont liées, en fait, à l'univers de Rêve. On a beaucoup envie d'écrire l'histoire des gardiens originels. En fait, les gardiens des origines. Et ouais, donc, il y a plusieurs histoires. Donc, on est lié toujours à Rêve, en fait, à cet univers. C'est votre bébé, quoi. Et on... Oui, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, on a envie de certains personnages qui sont secondaires, justement, dans la saga Rêve. On a envie aussi de leur donner leur chance. Je sais pas si on serait capable de les lâcher, pour être honnête. Et on a aussi songé aussi à un autre roman. Là on remonterait un peu dans le passé, mais pas énormément, à la guerre du désert, ouais, avec Terek et Elias. Et là on mettrait vraiment, on va dire, les aînés dans la saga Rêve deviendraient les personnages principaux. Deviendraient, et même des personnages particulièrement jeunes, parce qu'ils auraient à peine 18 ans. Voilà, donc ils seraient bien plus jeunes. Donc ça c'est les deux projets qu'on a envie de faire par rapport à Rêve. Après, comme on est sur Rêve depuis des années, on n'a jamais parlé d'autres projets en commun, sachant qu'en plus on a ces idées de spin-off, je veux dire. Ouais. Et après, d'ordre personnel, moi j'ai eu quelques... Je sais que toi t'as un projet. Je sais que j'ai un autre projet qui serait plutôt un roman de dark fantasy, que j'ai envie d'écrire dans un univers plus sombre. Je sais pas si ça ferait... Oui, parce que moi je le tire vers la lumière. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on s'équilibre, en fait. C'est comme ça. C'est-à-dire que non, si Cédric écrit tout seul, c'est la destruction de partout. C'est surtout que ça me permet de... Ça me permettrait de m'essayer un autre genre et de transmettre des messages plus adultes, d'autres types de messages. C'est que c'est une histoire qui me trotte dans la tête depuis des années. Elle n'est pas forcément exceptionnelle, mais je ne me verrai pas ne jamais la mettre sur papier. Donc il y a forcément un moment où je la mette sur papier. Mais dans tous les cas, ça ne vient pas à l'esprit de la faire avec Robin, parce que la dark fantasy n'est pas du tout son genre de prédilection. Il changerait ça en light fantasy. La light fantasy. À la réputation que vous allez me faire. Là. Non, mais je pense pas que le scénario, je pense peut-être, l'intéresserait forcément. Après, j'ai aussi d'autres idées, d'autres romans éventuels, mais là, il n'y a pas une construction assez avancée pour que je parle de projet. Mais par contre, celui-ci, j'ai réfléchi depuis assez longtemps pour savoir que ce sera un projet sur lequel... Par contre, est-ce que quand on a fini la série Rêve, qui va prendre plusieurs années, est-ce que je pars dans ce projet? Ou est-ce qu'on en termine avec le bébé en faisant les livres autour? Est-ce qu'on pourra en terminer un jour, surtout parce que vu la taille, c'est difficile à dire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas dans plusieurs années comment on sera. Je pense que même si tu commences à aller dans un projet en solo d'une histoire, je crois que tu m'avais dit que c'était un ou deux tomes peut-être, oui, voilà, pour l'instant, quelque chose comme ça, il n'y a rien qui nous empêcherait de poursuivre autre chose à côté. Si par exemple moi je prends de l'avance sur un autre projet lié à Rêve pendant que toi tu fais un autre... ce que je veux dire, c'est que c'est pas obligé qu'il y ait une véritable coupure où Cédric tout d'un coup me dit « Bon, maintenant je t'ai assez vu, pendant 3 ans je fais mon truc et puis après... » Voilà, c'est pour ça que je pense pas... moi en tout cas je sais que j'ai pas l'ambition... Alors, Enfin, pour moi, mon plus gros projet, de toute façon, c'est Rêve et tout ce qui s'y rattache. Parce que de toute façon, mes premières histoires, mes premières idées d'écriture sont dedans. J'ai mis tout ça dedans et j'en suis très content. Maintenant, j'ai quelques bribes d'autres histoires qui apparaissent parfois dans mon esprit. Je me dis, ah tiens, ça, ce serait sympa. Mais c'est vraiment à l'état de personnages, un petit cadre, peut-être une petite idée, etc. Mais c'est sûrement moins avancé que le projet que tu veux faire en solo. Mais voilà, effectivement, c'est possible que plus tard, je pense, oui, c'est toujours possible que chacun, qu'on écrive des livres chacun. Voilà, mais il y a un jour, c'est mon besoin de faire une coupure. C'est pas tout de suite. Je peux très bien partir sur mon autre projet. Alors, par contre, je partirai pas sur mon autre projet tant que... On s'est mis d'accord que Rêve c'était la priorité. Et puis même, j'ai pas l'envie et de faire autre chose en parallèle. Voilà. Par contre, comme les autres romans, on sait sur quel personnage on veut faire, mais on a pas décidé de l'histoire. On peut très bien partir sur un autre projet tout en discutant avec Robin. Oui, voilà. Mais de toute façon, je respecterai ses choix. C'est pas de problème. Non, puis peut-être d'ici là, moi, il y aura quelque chose que j'aurai envie d'écrire. Comme on dit, on ne sait pas. Peut-être que quand on aura fini Rêve,
Parce que là, si on... Puis on sait même pas où ça va nous mener, en fait. On sait pas où ça va nous mener. On sait pas où ça va nous mener. On peut même dire, si on reste auto-édité, parce qu'aucune maison d'édition n'a voulu nous donner la chance, peut-être que quand on aura fini, on aura envie de continuer le rêve, on aura peut-être envie d'écrire autre chose. Si une maison d'édition nous donne sa chance, on sera peut-être plus en discussion, en collaboration avec l'éditeur. Donc peut-être que mon projet va se mettre bien en arrière. Et pour l'éditeur, ça va être naturel qu'on part sur la continuité de l'univers de rêve. Après, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'à partir du moment où l'histoire que l'on écrit se passe dans Réavenia, il y a de grandes chances qu'on soit tous les deux dessus. Tous les deux motivés. Voilà. Parce que ce qu'il faut aussi se rendre compte avec Réavenia où on est actuellement, c'est que l'histoire se déroule sur une zone géographique assez restreinte, dans les faits. Donc on a un monde avec des... Pas si restreinte que ça, mais oui, c'est... Oui, non, je veux dire, ça prend l'action. On est sur... Tu vois ce que je veux dire? On est sur un territoire grand, mais réduit par rapport à l'immensité du monde qu'on pourrait développer. Oui, c'est vrai. Oui, le potentiel est encore... Le potentiel est très grand dans... En fait. Le potentiel, dans cet univers, le potentiel de cet univers est grand. Donc il y a de quoi faire alors. Voilà, c'est ça. Exactement, voilà. Bah, c'est chouette. Bah, pour mon spectateur, du coup, je rappelle que c'est Rêve, donc de Cédric Roux et Romain Marcoux. Oui, c'est ça. Pas. Donc disponible sur Amazon, c'est ça. Oui, oui. Donc en auto-édition. Tout à fait, depuis le mois de novembre, en papier ou en e-book. En e-book aussi. Et le tome 2. Je pense qu'on peut le dire, le tome 2 est quasiment terminé. Et on travaille actuellement sur le tome 3 qui avance assez bien parce que la trame est posée. C'est vrai que le travail d'amont avant l'écriture du tome 3 est pratiquement terminé. Il y a juste à espérer que vous soyez d'une maison d'édition où vous trouvez à leur goût. On verra. On va espérer. On verra bien. Dans tous les cas, si une maison d'édition ne donne rien, on reprendra sur Amazon parce qu'on veut que la... De toute façon, on s'arrêtera pas. De toute façon, voilà. Ceux qui nous suivent, même s'ils sont 10, il y aura une suite. Il y aura une suite de toute façon. Non, et puis, bon, ils pourront nous contacter. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis c'est agréable, l'Empire des Avenirs. Moi j'invite tous les futurs rêveurs à venir avec nous. Il y a des beaux paysages. Ouais. Surtout pour la fin du top. On s'éclate bien. On s'éclate bien ensemble. On s'éclate bien. Merci beaucoup pour D'avoir accepté, franchement. On est très contents que ça t'ait plu déjà, que notre livre t'ait plu. Voilà, c'est... Puis c'est une super opportunité pour le dire sous forme de vidéo. Et voilà, en interview, oui, c'est... On est très contents. Bah, merci. Et puis ça fait toujours plaisir de le voir. C'est vrai. Oui, il est très très beau en plus. Hein. Je remonte bien. Hein. Et beau. C'est vrai. Ça, c'est ce que je t'avais dit la première fois. Quand je te l'ai donné. Est-ce que tu as deviné ce que représente la couverture? Le cœur des flammes. Je ne l'aurais pas su avant qu'on me le dise. Ça fait penser aux pierres, un petit peu, peut-être l'intérieur de la pierre, les nervures et tout ça qu'on peut retrouver. L'idée est pas mal, mais en fait c'est une éruption solaire. C'est une éruption solaire, une photo. D'où les étoiles. Mais les étoiles qui allaient très bien en fait, je trouve. Ouais. Je cherchais une couverture qui pouvait rassembler les thèmes du livre avec les éléments principaux. Et comme l'élément principal du livre c'est le feu, mais qu'il y a aussi toute cette idée de guerre qui se met en place, etc. On a le jeu. J'ai trouvé que ça allait bien. Il a fallu évidemment mettre en page la couverture, etc. Mais on est content du résultat. Ouais, voilà. Il y a de quoi, franchement. Merci beaucoup.